poste doublé. On a réduit. On a réduit l'alignement. Wismack en début d'alignement. Voilà. Sur Maestri. Bon, bonsoir. Belle annonce. On a réduit l'alignement. Ça nous a permis d'avoir une conquête propre. Il faut essayer de travailler un petit peu à l'emporté pour se donner un peu d'angle, notamment pour Jules Plisson. Attention, oh, c'est arraché. C'est arraché le ballon. Un ballon récupéré près de notre ligne par les Écossais. Notre défense est loin maintenant. Ils vont pouvoir attaquer. L'interception. Oui, il y a du jeu. Il faut accélérer maintenant. Okay. Et un exploit personnel okay. peut-être à venir. Qui va relancer les Bleus. Il y a du jeu. Troisième essai dans ce tournoi destination. Merci, Johan. Parce que là, c'était une occasion d'essai. Oui, trois, monsieur. Trois essais, un doublé contre l'Angleterre. Et cet essai de près de 100 mètres contre l'Écosse. Et ça, ça fait mal aux Écossais. Cette passe sautée, bol bien coupé par Johan Auger de l'extérieur. Voilà, ballon gagné, on a voulu faire une grande passe importante. Il a bien coupé de l'extérieur vers l'intérieur Johan Auger, ensuite avec ses jambes. Impossible, impossible de le reprendre. Il va finir sa course sous les poteaux, il va donner l'avantage aux Français. Un essai qui compte double pour l'instant parce qu'il permet à l'équipe de France de revenir à hauteur de l'Écosse. 14 partout en attendant la transformation. Belle course de Johan Auger. Sixième essai avec les Bleus, surtout son troisième dans ce tournoi.